Et c'est tout le monde, nous voilà avec le Serpro en 12S. On va réussir enfin à se faire un test sur circuit, du moins j'espère. Et puis, non, je veux pas abîmer la carreau. Donc comme la dernière fois, on la déshabille. Ça, on va laisser de côté. Et on va rouler en mode désert buggy, on va dire. C'est monstrueux comme échelle. Ouais, c'est un bestiole là. Alors pour vous situer un petit peu, je viens juste de rouler le buggy Mingyang Caracal juste avant. Donc l'échelle, le ressenti, voilà, t'as un truc qui n'a rien à voir là. Là c'est un tank. En 12S, pour rappel, on est avec des lipos VARX 7000 mAh. Et le taux de décharge, d'ailleurs, sur celle-là, on est en 100C. Je vous montre un petit peu l'installation, quand même, pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Donc, le truc à surveiller, ça va être ce cardan arrière, là. Ce cardan de transmission arrière, vous voyez, qui est bleuï à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est au premier pack lorsque j'avais perdu un pin de cardan arrière? Du coup, ça a certainement chauffé celui-là. Mais pour qu'il éblouisse comme ça, la température doit être vraiment élevée. Donc ça fait partie des choses que je vais surveiller. Il y a un craquement. Après avoir remis du frein filet sur le pignon, on va essayer de repartir en roulant plus de 20 secondes. Ouais, j'ose même pas monter du coup, mais je crois que ça va finir avec de la lotite rouge. Hein. Je vais pas avoir le choix. Hein. C'est dommage parce que ça craque. Il y a un craquement. Plus gros. Ouais, là-bas il commence à être. Ouais, faut que je fasse gaffe par contre à toi. Il y a du couple, la vache. Ouais. Par contre, j'ai un craquotement là. J'ai pas ça à fermer la bouche et les yeux parce que c'est là. J'ai un peu peur, je regarde toujours le pignon si ça bouge pas. Ça a l'air de tenir là pour l'instant. Il faut dire, j'en ai mis pas mal là du frein filet. J'en ai même mis sur l'axe. On va voir. Sinon, prochaine étape, ça sera le rouge. Hein. Le moyen, j'ai fini par y passer. Parce que... Ah ouais? Et tu réussissais à le retirer facilement, le rouge, après, en chauffant? Ah, d'accord. Il est toujours collé, d'ailleurs. Oh là 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 là.
Ah, par contre, le comportement, tu vas tester après. Je vais devoir tester, ouais. Tu vas me dire ce que t'en penses. Oui, j'ai cru entendre ça, ouais. Franchement, c'est un 8SC en énorme. Ah ouais? Ah ouais, c'est... Plutôt raide, alors pas trop... Plutôt assez raide, ouais. Et beaucoup de glisse. Ah, c'est sympa, ça. Vas-y, tiens. J'ai entendu. Teste-moi ça. Ah, le comportement... Oh là 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 là. Ouais, je pense que le 5B ça sera pareil, il sera beaucoup mieux en 12S. Il paraît vraiment pas tôt le Z5B là, le buggy. Oh punaise. Il y a un trou là-bas, faut que je méfie. Oh, ces pneus d'origine là. Ils valent très cher hein, chez Smith Master, les pneus d'origine. C'est dans les 170 euros. Mais alors, c'est un régal à rouler. Hein. Je pense que la durée de vie, elle va être bonne. Hein. Ça ballonne très très peu. Oh, les mauvaises chutes que je fais là. Ouais, c'est le pignon tient, donc ça déjà c'est rassurant. J'ai pas besoin de passer le titre rouge. J'en prendrai au cas où avec moi maintenant. C'est une bête. On va repiloter un peu d'en haut. Allez, je vais m'arrêter là. Hop, et je vais remonter. Allez, go. Oh là 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 là, ouais. Là c'est le quatrième pack que je fais avec. Ah, il a recoupé encore. Il a recoupé. J'ai plus rien. Aïe 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 aïe. Heureusement il y a un arbre, je ne cogne pas dans la voiture. Eh non, c'est ça s'est défait le câble là. Je pense qu'il a. Ah, je pense que l'interrupteur a du jeu. Il doit se couper tout seul. Parce que là, à moins que ce soit ça qui tape dessus. Je sais pas. Je ne sais pas. Allez, j'ai refixé tout ça. Normalement, là, ça va plus bouger. Si ça déconne, c'est que c'est l'interrupteur qui bug. C'est souvent après des sauts. On va voir. Le Moyave, c'est un tank, c'est ça? Ouais, bah, on passe à 15 kilos, je ne fais pas une pièce. Oh la vache! Oh, y a une gouache. Par contre, ouais, c'est vraiment un bestiau. Hein.
rappelé qu'il y avait le trou. Freine. Oh, heureusement j'ai pas la carreau là. Oh là, trop fort. Ouais, franchement, c'est un sacré bestiau cette machine. Elle avale tout, hein. Le 19, je pense que c'est bien. Hein. Alors pour la piste là, c'est trop. Un plus petit irait bien, mais vu la difficulté que j'ai eu à faire tenir le pignon, je vais pas le changer tous les 4 matins. Oh là là. Oh là 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 là, oui, les virages, tout en lisse. Ça y est, je commence à l'avoir un peu en main. Il faut un temps d'adaptation, hein. C'est vraiment une échelle à part. Le poids. Bon, j'ai dit je commence à l'avoir en main, j'ai pas dit je l'ai en main. Et puis niveau conso, on est vachement bien, parce que je l'ai prêté à R100 PLS, il l'a roulé un petit 10 minutes avec. Et là, on tire pas trop sur les dipôts, donc c'est bien. Par contre, j'ai vu que les cardans, la transmission chauffait, donc ça, on va se méfier. Oh là 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 là. Je vais vraiment lui mettre les plaques de tôle. Je voulais lui mettre la carreau de 30 degrés nord, mais non, je vais rester sur mon idée première. Je vais rester sur mon idée première et lui mettre des plaques de tôle. J'ai ça en plus à la maison, j'ai retrouvé ça en cherchant. Donc on fera ça. Oh là 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 là. Dommage que j'ai pas sorti le. Oh là 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 là, ouais. Ah, j'arrive un peu fort là, mais putain, qu'est-ce que c'est agréable. Ouais, c'est bien les câbles qui appuyaient sur l'interrupteur.
Il faudra bien que je fasse attention à chaque fois que je mets les lipos. Par contre, elle plonge du nez. Hein. Pourtant, j'ai les lipos derrière, mais le moteur est quand même vraiment vers l'avant. L'ESC aussi, donc ouais, ça fait vraiment du poids à l'avant. Je roule un petit peu avec le Moyave, vous comparez un petit peu les comportements. Ouais. Bon, sauf que le Moyave c'est PLS donc il y va un peu comme un bourrin avec. C'est vrai que... Oh là, ah bah je peux parler. Elle est belle. Il a transmis là. Ah, c'est chaud. Hein. Ah, ça y est, je suis en coupure. Ouais, ça y est, je suis en coupure, donc on va arrêter là. L'hélico, pour commencer. Bon, c'est un petit son que m'a gentiment offert PLS, donc vous trouvez ça chez Action apparemment. Donc, je vais en prendre d'autres, parce que c'est quand même pas mal pratique pour fixer les sangles, sans avoir une grosse sangle comme ça trop longue. Alors l'hélico, on a combien? Normalement, c'était réglé. Hey, je suis redescendu à 3,3. C'est bizarre ça. Pourtant, le cutoff était réglé sur ce vario-là pour le R5. On va falloir que je re-regarde ce que ça donne. On va regarder ça. Et par contre, la transmis, là, ça me fait peur. Donc, ouais, là, on est à 80 degrés quand même. En sortie de diff, on est moins chaud. Donc, ouais, c'est vraiment à cet endroit-là où le cardan se balade hein, dans la noix. Par contre, on voit que ça marque pas, alors j'ai fait que 4 packs, heureusement vous me direz, mais on voit qu'il n'y a pas du tout de marque quand même sur les noix. Donc ça a l'air quand même d'être de la qualité hein, de ce point de vue là. Par contre, waouh, par contre le pin à l'arrière là par contre le pin il a ramassé lui. L'autre côté je l'ai changé, il est neuf. Par contre ce côté là, waouh, putain il a pris cher. Et à l'avant ça dit quoi? Les pins ils prennent cher par contre hein, au niveau de la transmission, les pins de cardan. Les cardans sont. Les noix sont très résistantes, par contre les pins prennent cher. Au niveau transmission centrale, non. Mais au niveau des roues à l'arrière, bah, je pense que c'est dû au poids des roues ça. Hein. Les roues sont très lourdes, ne ballonnent pas, sont très dures. Donc ça se répercute ici. Hein. Il vaut mieux que ça soit sur les noix que sur le diff, hein, vous me direz. Sur le pin, pardon, sur le diff. Par contre ça a bougé là. Ouais, lui il est sorti de son logement, donc il est temps de s'arrêter, il faut le remettre en place. Ça c'est le petit cercle clip ça, qui maintient le pin ici. Donc ça, il va falloir que je le renfonce et que je remette le clip en place. Sinon, à part ça, ça va, mais bon, elle a que 4 packs, donc ça me... Je veux dire, ça me déçoit un petit peu à ce niveau-là. Ouais, ça me déçoit un petit peu à ce niveau-là. Le moteur, il dit quoi? Le moteur, il fait quand même 30 degrés là, hein, plus de 30 degrés dehors là. Hein. On est à 75 degrés au moteur, donc ça va. Hein. Et le vario, on a un petit 60, 58. Ouais, 55, 57. Allez, on va dire un petit 60 degrés. Je pose la main dessus. Hein. Et les lipos, 50, donc ça c'est habituel. Ok. On se fera un petit retour après le 5e pack, là j'en suis à 4. On se fera un petit débrief sur la machine, et puis on regardera un petit peu ce qui est usé, abîmé, etc. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous, et comme d'habitude, bisous, caresses.